Ce qui est important aujourd'hui pour l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est d'être en mesure de nous rapprocher des sociétés du territoire et de travailler en partenariat avec elles autour de projets innovants. Nous sommes ravis de travailler en collaboration avec la Banque Populaire Val-de-France. J'espère en tout cas que ce projet sera précurseur de bien d'autres, avec d'autres entreprises, d'autres sociétés du territoire, puisque nous sommes sur un territoire d'innovation. L'innovation a toute sa place sur l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines. Joanne Anglade, conservatrice de la réserve naturelle des étangs et rigoles d'Yvelines. Donc, cette réserve naturelle s'appelait avant la réserve naturelle de Saint-Quentin-en-Yvelines et se situait sur l'étang de Saint-Quentin, dans l'île de loisirs. Mais depuis le 8 avril 2021, elle s'est agrandie et maintenant s'étend sur l'ensemble du réseau des étangs et rigoles et se nomme donc la réserve naturelle des étangs et rigoles d'Yvelines. On est ravis que la Banque Populaire ait pu nous soutenir dans ce projet de communication sur la réserve naturelle, puisqu'en fait, ce projet naît d'une envie, l'envie de faire découvrir au plus large public la réserve. Puisque même si elle existe depuis 35 ans sur les temps de Saint-Quentin, il pourrait y avoir encore plus de gens qui la connaissent. Et donc, on avait envie en fait, de donner à voir grâce aux caméras embarquées sur la réserve. Ce sont des images inédites. Elles vous permettent donc de voir la réserve la nuit, ce qui se passe la nuit, tôt le matin, un lever de soleil, un coucher de soleil, une journée enneigée. Ça crée des paysages assez exceptionnels. Et donc, les caméras sont programmées pour se déclencher sur le mouvement, notamment le mouvement de la faune, et donc de permettre ainsi, on l'espère, d'avoir de très belles images de cette réserve naturelle et de sa biodiversité. Vous avez aussi une caméra qui est située dans l'aéronnière, donc au plus proche des oiseaux migrateurs qui viennent ici se reproduire. Et donc, en ce moment, on a les premières images d'un couple de hérons cendrés qui s'installe sur un des nids de l'aéronnière. Et donc, on espère suivre ainsi l'évolution du couple et du nid sur l'ensemble de la saison. Donc, régulièrement, sur le site internet de la réserve, va être postée ces vidéos. La Fondation d'entreprise Banque Populaire Val-de-France a décidé d'accompagner l'île de loisirs dans la mise en place d'une caméra sur le site pour pouvoir observer la faune de l'île de loisirs par tous, donc aussi bien des personnes à mobilité réduite et que pour des personnes qui n'ont pas la possibilité de se déplacer. L'objectif principal de la Fondation d'entreprise est de répondre aux défis environnementaux et sociétaux. Et ce projet entre dans l'un des trois axes de la Fondation, qui est l'environnement. Pour finir, ce projet est aussi innovant, de par l'installation de cette caméra. Et avec cette période Covid, où on n'a pas pu se déplacer comme on voulait, et bien là, on peut au moins observer à distance les espèces de l'île de loisirs.